de vous retrouver sur Europe 1. J'espère que la journée n'a pas été trop perturbée par les intempéries. Vous avez remarqué, quand il neige, les gens sont plus sympas. On se parle dans la rue, entre deux batailles de boules de neige. Il y a des enfants qui sont joyeux, les chiens aussi. Et puis, on assiste à des scènes un peu cocasses. C'est vrai que moi, cet après-midi, j'ai croisé un monsieur très élégant qui avait sorti ses skis de fond et qui se déplaçait comme ça sur le trottoir. Ben, voilà ce que c'est que de savoir s'adapter. Donc, je sens que vous allez me demander de sortir, mais moi je me dis pourvu qu'il neige encore pendant quelques jours. Allez, ce soir, pour vous accueillir au 39-21, un petit lutin prénommé Paul et une jolie fée des neiges, Jeanne. Et en régie, Fifi, qui a mis ses moufles. Alors ne vous inquiétez pas si au cours de l'émission, il y a quelques petites interruptions de son. Et puis, bien sûr, vous pouvez vous manifester par SMS au 739-21 en commençant vos messages par le mot nuit ainsi que par mail sur le site europa.fr. Cette année, la libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Bonsoir Hervé. Bonsoir. 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 Alors voilà, je vous téléphone parce que je suis ravi que vous m'ayez pris en appel. Et puis je vous téléphone parce que je suis dans un gouffre, dans un gouffre complet dans ma tête, dans mon âme. Et puis j'arrive plus à réagir. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie ou depuis combien de temps vous ressentez-vous comme ça dans cet état? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est depuis qui réapparaît en fait. Si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé beaucoup plus tôt. J'ai 42 ans. Oui. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout avait été refoulé et que ça ressurgit petit à petit. Mais ça fait 10 ans que ça ressurgit. Qu'est-ce qui ressurgit? Je ne sais pas quoi. Et alors je me sens nul. Mais c'est curieux de dire que ça ressurgit. C'est comme si vous. C'est un sentiment. C'est quoi? Qu'est-ce qui. Ce sont des souvenirs. C'est. Il y a des souvenirs. Il y a des choses qui ont que j'ai pas pu assouvir. Il y a des sentiments de comparaison quand il y avait mes parents. J'ai encore mon père, j'adore mon père, mais oui. J'ai toujours été comparé à des cousins qui réussissaient mieux à l'école. J'ai toujours été comparé aux autres. Par votre père? Par mes parents, oui. Par vos parents. Voilà. Mais je pense pas que ce soit. Il n'y a pas que ça. Non. Et en fait, aujourd'hui, je réussis rien au niveau, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, privé, rien. Il y a rien qui aboutit. Il y a rien qui aboutit. Et puis, de plus en plus, je me sens nul. Et je me laisse aller. Je sais pas. Oui, c'est-à-dire, vous avez du mal à vous occuper de vous. Oui, parce que avant, il y a 8-10 ans en arrière, c'est pas ridicule, mais j'allais une fois par mois chez l'esthéticienne, je faisais attention, et puis aujourd'hui, j'ai plus envie. Et la seule chose que j'ai envie, c'est dormir, et puis. Oui. Et à chaque fois, je rêve de partir. Vous avez des idées noires, des idées un peu sombres, comme ça, jours. Quand vous dites rêver de partir, c'est. De quitter le monde. Que ça s'arrête, oui. Et puis, c'est tous les jours, et puis, c'est dès le matin, je me lève le matin, des fois, j'arrive même plus à me lever, et puis. Et je me dis à quoi bon, parce que de toute manière ma vie est foutue quoi.
Vous arrivez, vous dites vous dormez, donc vous dormez la nuit, vous avez un bon sommeil ou c'est un sommeil un peu entrecoupé, un peu haché? Non, j'arrive pas à dormir. Ouais, pas dormir. Je vous écoute tous les soirs. Mm-hmm. Et passer une heure, alors, qu'est-ce qui se passe? Vous endormez après vers une heure? Pas du tout. Non. Pas du tout, je trouve le sommeil à 5h, 6h du matin, et il faut que je me lève à... Je me lève, mais voilà, c'est... Et vous retournez des idées dans votre tête, à ce moment-là, c'est là où vous refaites un peu le film de votre vie, où vous avez l'impression que vous avez tout raté? C'est là, et puis c'est dans... Il y a des moments de la journée qui me font rappeler... Alors c'est peut-être ridicule ce que je vais vous dire, mais des fois je suis pas du tout télé. Oui. Ça rien de ridicule, oui. Je suis télé que pour les documentaires et des fois je tombe sur des documentaires et le moindre truc qui me fait la moindre chose qui me fait penser à ma situation, j'ai dit c'est dingue, c'est parce que c'est comme si c'était fait exprès quoi, de que je regarde ça. Vous ne regardez pas dans ces cas-là votre situation, c'est-à-dire ma situation globale. Enfin, c'est-à-dire que là, vous avez le sentiment de ne rien réussir, c'est-à-dire ça ne ni vous ni sentimentalement ni professionnellement. Professionnellement, vous avez donc une activité professionnelle, puis malgré vous dites que vous vous levez le matin pour aller travailler. Ah oui, j'ai un bar-restaurant. Alors, quand j'ai repris cette affaire il y a 5 ans et demi, j'ai repris une affaire qui est bien placée. Pendant 2 ans et demi, je l'ai fait tourner, mais alors motivé à fond. Et puis, et puis là, je sais pas, j'y arrive plus. Mais vous n'avez pas l'énergie. Je n'ai plus d'énergie. Alors pourtant, je fais... J'essaye de faire des séances de relaxation, de yoga, de chromatothérapie et tout ça, mais il n'y a rien qui va. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai loupé tout. À 42 ans, je me dis, t'as tout loupé. Et le problème, c'est que j'ai écrit une vingtaine de pages sur mon ressenti. Et puis, pour moi, aujourd'hui, ma vie, c'est j'ai pris un pont. Je compare pas. J'ai pris un pont. Et puis le pont, il a été cassé à un moment donné de ma vie. Et puis je suis tombé. Et je sais pas réagir. Voilà. C'est pas que vous ne savez pas, c'est que actuellement vous ne pouvez pas réagir. Vous n'avez pas l'énergie pour pouvoir réagir, c'est-à-dire pour pouvoir vous adapter à des situations. Mais ça, c'est comme ça quand on est dans une dépression, parce que tout ce que vous évoquez, il y a quand même plusieurs symptômes qui font penser à ça. Que ça soit entre vos troubles du sommeil, le fait que vous vous dévalorisez comme ça, vous vous sentez nul, vous avez le sentiment d'avoir tout raté dans votre vie, d'avoir des idées quand même sombres, noires. Vous pensez, qu'il faudrait que ça s'arrête. Donc c'est quand même un tableau qui évoque la dépression et qui mériterait. Vous avez besoin d'aide. Là. Et si vous voulez, c'est important vous avez bien fait de m'appeler, Hervé, parce que vous avez le sentiment, vous l'avez dit là, que vous n'arrivez plus, avec cette image du pont qui est très symbolique là, ce pont cassé, vous êtes tombé et vous dites je ne sais pas réagir hein. Donc c'est encore, ça renvoie à cette image du nul que vous avez, vous êtes ce nul. Vous vous percevez comme ça. Mais c'est parce que dans l'état, la dépression même fait qu'on n'est plus à même de s'adapter à des situations, de pouvoir réagir, de pouvoir y faire face. Parce qu'il nous manque vraiment l'énergie pour cela. Il y a une perte de toute énergie. C'est-à-dire, vous décrivez très bien que ce bar-restaurant que vous avez pris et qui est un projet qui vous tenait à cœur. Oui. Et ça se passait bien. Et puis,
un beau jour, tout ça, c'est comme si ça n'avait plus d'intérêt. Enfin, vous voyez ce qu'il y a à faire, mais vous n'y arrivez plus. Mais c'est tout à fait ce que vous dites, c'est vrai, parce que j'ai plein d'idées. Et alors, si vous voulez, quand je suis dans mes bons jours, eh ben, je suis capable de refaire comme avant, de re-remplir le bar pendant mes soirées, parce que bon, je suis restaurant, puis je fais des soirées à thème le week-end, donc concert, tout ça, et je suis capable de je suis dans les meilleurs moments. Vous voyez? Et ce qui me fait encore plus mal, c'est que bon, ben, c'est moi qui suis en cuisine, c'est moi qui cuisine. Et ce qui me fait plus mal, c'est quand mes propres clients me disent « Bon sang, Hervé, t'as des mains en or, vas-y, booste-toi et tout. » Mais ce que je veux dire, c'est que je... Oui. Voilà, alors moi, c'est un masque que j'ai un masque. Oui. Alors, il faut toujours être bien devant les clients et tout. Et puis, ben, finalement, ben, il faut rigoler. Donc, je rigole, je montre pas. Mais après, ben, quand tout est fini, ben voilà, moi, je suis... Voilà, je j'arrive plus, quoi, et je pleure et je... Oui, ça doit vous demander beaucoup de un effort terrible, quoi. Ce masque que vous arborez comme ça pendant la journée, et puis effectivement, hein, quand le masque tombe, que vous êtes plus dans votre rôle public, là, vous vous retrouvez face à vous-même et très très mal. Exactement, et ce qui est encore. C'est que j'ai le cœur sur la main, alors j'ai fait de l'humanitaire avant de reprendre de l'humanitaire à ma façon je sais pas, j'ai eu de l'émotion quand je l'ai fait, parce que mais à ma façon, hein, dans des pays d'Asie, et ça m'a porté beaucoup. Oui. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de n'être utile à personne. Oui, mais ça fait partie du tableau de la dépression. C'est-à-dire que vous dénigrez complètement, vous vous dévalorisez, vous avez le sentiment d'avoir aucune valeur. Donc, à quoi bon, hein, finalement, comme si vous ne voyez, il y a pas, vous êtes dans un grand sentiment de vide. De vide affectif, et c'est vous décrivez bien, hein, avec ce gouffre dans lequel vous vous sentez aspiré. Donc ça vous demande une énergie phénoménale de pouvoir la journée faire face à votre activité. C'est là où c'est très compliqué, parce que c'est vrai que les personnes qui le font certainement, qui sont très sincères quand elles vous disent que vous avez des mains en or, que vous avez un véritable talent. Hein, mais vous n'arrivez même plus à le voir, ou en tout cas vous vous dites que vous êtes en train de le gâcher, que même ça vous êtes en train de le gâcher. Oui. Bon, mais c'est parce que vous, si vous voulez, la dépression, Hervé, c'est une maladie. Donc, c'est important de pouvoir en parler, reconnaître les symptômes et se soigner. Parce que vous allez retrouver celui que vous étiez. Alors, je comprends effectivement quand vous dites c'est comme si quelque chose qui revient, et je vous ai posé la question, vous dites quoi ? Parce que vous avez peut-être eu des accès comme ça, un peu dépressifs dans votre vie, peut-être moins fort, peut-être moins intense, mais c'est quelque chose que vous connaissez. Ou en tout cas ce sentiment que vous ne valiez peut-être pas grand-chose au fond de vous. Ce qui n'est pas la vérité, évidemment, mais c'est la façon dont vous percevez. Mais je le perçois depuis longtemps. Oui, oui, certainement. Certainement. Ça fait un moment que je le perçois, et puis j'arrive vraiment... Oui, au bout, là. Voilà. Et alors, ce qui est terrible, c'est que pour moi, c'est un échec. C'est un échec parce que il n'y a pas d'échec vraiment. C'est un échec parce que je me voyais pas comme ça. Parce que j'ai des ambitions énormes.
Quand j'avais 13 ans, j'ai demandé à mes parents de rentrer dans une école de cuisine. Je suis de confession israélite. Oui. Mes parents n'ont pas voulu parce qu'il fallait que je mange du porc, tout ça. Voilà. Oui. Donc ils ne voulaient pas, et à l'époque, il fallait être interne. Oui. Donc, pour partir de la maison, parce que j'ai demandé à être interne et j'ai choisi moi-même la ville où je voulais être interne, j'ai dit je veux être interne à Strasbourg. Donc j'ai été interne à Strasbourg et puis j'ai choisi une branche qui m'est venue comme ça dans l'électrotechnique. J'ai eu mes diplômes, mais ça ne m'a pas... Voilà. Et après, j'ai voulu faire du théâtre. Donc quand j'ai eu mon bac, j'ai voulu faire du théâtre. J'avais fait des auditions au TNS. Et ça n'a pas abouti. Et après, j'ai quitté donc Strasbourg et je suis allé à Paris, puis j'ai tenu tête à mes parents et j'ai fait le métier que je voulais donc dans la restauration. Et j'ai appris tout sur le tas en cuisine, grâce à un patron qui m'a tout appris. Et quand j'ai racheté, l'affaire il y a 5 ans et demi, mon père m'a dit, ça m'énerve parce que j'adore mon père. Oui, mais c'est pas incompatible. J'ai l'impression de dénigrer. Non. Mais c'est justement parce que vous adorez votre père que ce qu'il peut vous dire parfois vous touche et vous atteint. Parce que, vous voyez, c'est justement parce que vous l'aimez. Mais il n'était pas content quand j'ai repris cette affaire. Pourquoi ? Ben voilà, il n'était pas content parce que il était voilà. Il avait peur pour vous ? Qu'est-ce que... Non, mais non pour oui. lui, ben voilà, ça reste toujours. Ça reste toujours quoi ? Je sais pas, c'est comme si j'avais encore 13 ans. Oui. Et il m'a dit, t'aurais dû trouver un travail, toucher un salaire. Et, et oui, qu'est-ce que vous faites ? C'est pas mon ambition, non. quoi. Non, vous avez un talent. Vous avez un talent et d'ailleurs vos clients le disent. Hein, on est tous faits pour quelque chose. Vous avez un talent. Vous êtes formé tout seul auprès d'un chef. Je veux dire, donc vous avez oui quand vos clients vous disent de l'or entre les doigts. Mais ce talent-là, enfin vous ne vous sentez pas reconnu. Donc il s'agit pas de dénigrer votre père, mais c'est plutôt vous qui vous êtes senti dénigré. En tout cas. Pas reconnu. Et c'est important. Et vous restez, oui, cet enfant de 13 ans qui attend la reconnaissance de son père. Encore aujourd'hui. Et ben, oui, on a besoin de ça. Aujourd'hui, par exemple, je me rends compte que mon attitude, je commence à perdre mes clients. Pas tous, heureusement. Pourquoi ? Parce que vous n'arrivez plus... J'ai plus de force. Ouais. Je suis fatigué, je suis usé. Vous avez quelqu'un avec vous, J'ai ma collaboratrice, mon employée qui elle est serveuse, ma ouais. serveuse, mais ouais. c'est elle est elle sait me donner du courage, de l'entrain, voilà. de oui, c'est ça l'envie de faire. D'accord, fait, c'est bien. Vous avez quelqu'un de aujourd'hui. Ben moi, mon père habite à 5 minutes à pied de là où est mon affaire. Moi, j'habite au-dessus de j'ai un appartement au-dessus. Donc, je vais pas le voir. Oui. Et je n'y arrive pas. Oui, mais parce que vous vous sentez et cassé. Des fois, je me dis. Moi, bon, il a 90 ans, et des fois, je me dis, bon sang, mais il faut être... je me dis, bon, il lui reste combien de temps à vivre, et alors, mais je n'y arrive pas. Oui, mais vous n'y arrivez pas, parce qu'actuellement, vous auriez besoin d'être entouré de personnes qui vous transmettent beaucoup d'énergie, de chaleur, d'encouragement, de réconfort. Et vous savez que vous ne trouverez pas cela auprès de votre père. Parce que il est d'un tempérament certainement plus pessimiste. En tout cas, vous avez été quand vous décrivez le pont cassé, c'est vous qui êtes cassé. Hein.
Vous, enfin, il y a quelque chose cassé symboliquement, évidemment. Hein, oui, vous avez un... bien sûr. Mais oui. C'est important pour quand on est enfant de se sentir soutenu, encouragé, pour un fils de sentir que son père est fier de lui. Et il y a de quoi être fier, parce que je reçois des messages pour vous. D'ailleurs, il y a Francine qui dit « Mais il est où, ce resto ?» Que j'aille remonter le moral à Hervé, moi, dit Francine. C'est vrai que vous pourriez déjà en parler un c'est peu. C'est... Ben oui, on va en parler. Vous êtes dans quel... il s'appelle comment, alors, votre resto? Ça s'appelle le Charlie. Ah, le Charlie, c'est un beau nom en plus, oui. Alors, j'ai pas changé le nom parce que... Mais c'est chaleureux. C'est un bar-restaurant. Hein. Mm-hmm. Donc, j'ai une partie restaurant, une partie bar. Et j'ai pas changé le nom parce que c'est un restaurant qui porte ce nom-là depuis 35 ans. Oui. Et j'ai pas voulu le débaptiser quand j'ai racheté. Oui, écoutez, c'est bien. Il se trouve où? À Lunéville, dans l'est de la France, à côté de Nancy, à une vingtaine de kilomètres de Nancy. Le Charlie à Lunéville, c'est dans le centre-ville? C'est en face du château de Lunéville. En face du château? Ah oui. Ah bon, on ne peut pas le louper alors, votre bar-restaurant. Oui, c'est... En face du château de Lunéville. Alors, voilà. S'il y a des auditeurs hein, qui passent dans le coin, là, des auditeurs d'Europe 1, hein, qui viennent vous faire un petit coucou, vous remonter un peu le moral. Il y a Carmen qui dit « Vous êtes épuisé et vous avez besoin d'une aide urgente d'antidépresseurs, de vitamines. » On sent qu'il y a beaucoup trop de lassitude. Et pourtant, votre métier apporte tellement de bonheur. Et c'est ça, je trouve, que vous avez choisi. Il faudrait que ça soit... Jean-Luc Petit-Renaud, là, qui vous parle, là, qui vous redonne un peu de ça. Je l'écoute tous les jours, tout le temps. Oui, qui vous redonne un peu comme ça de peps, de joie de vivre. Parce que vous faites un des plus beaux métiers qui soit. Hein, mais je suis... Vous donnez du bonheur, c'est vrai, au quotidien. Oui. Moi, quand je suis dans ma cuisine, quand je me mets à fond, je fais du traditionnel élaboré. Oui, hein? C'est-à-dire, c'est quoi votre spécialité, par exemple? Alors, j'ai pas vraiment de spécialité. Moi, je fais des spécialités de toutes les régions de France. Par contre, si vous voulez, bon, en hiver, c'est un menu du jour et puis deux, trois autres plats qui sont suggérés. Oui. Mais par contre, si vous voulez, quand je vais faire un bourguignon, mon bourguignon, il va mijoter 4 heures. Vous voyez? Oui, ça doit mijoter, oui, un bourguignon. Et puis la façon de le présenter, la façon de le servir. Alors, j'ai un menu du jour à 13,90€ avec un verre de vin, entrée, le fromage, dessert et café. Oui, ça reste super raisonnable, hein. Quand on voit les, quand on voit les menus à Paris, on a un plat, hein, pour ça. Ouais. Voilà. Donc par exemple, je travaille que des produits frais, donc je suis livré tous les jours. Oui. Oui, ça veut dire. Et puis il y a du nappage, voilà. Mmh. Parce que j'aime, moi, voilà. Oui. Mais c'est-à-dire que vous avez fait ça, on sent bien, il y a une vraie passion derrière, simplement, en ce moment. Vous êtes rattrapé par la dépression qui s'est installée et il faut vraiment vous soigner. C'est-à-dire, il faut aller prendre rendez-vous maintenant le plus tôt possible avec. Vous avez un médecin généraliste? Oui. Bon, donc déjà, voir votre médecin généraliste, prendre rendez-vous là, c'est la priorité, vous l'appelez demain, là, pour qu'il vous donne un rendez-vous. Vous entendez bien avec lui? Ah oui, très bien. Bon, donc vous lui expliquez, est-ce que vous pouvez lui parler de notre conversation qu'on a eue ensemble et dire de toute façon il va vous redemander à l'entretien comme ça clinique un peu comment vous vous sentez en ce moment et vous avez besoin véritablement d'un traitement là et vous allez voir qu'au bout de... Il faut bien compter 15 jours hein, à peu près pour ressentir un bien-être. Mais vous allez retrouver avec ce traitement une énergie, une vitalité, un entrain. Enfin, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui revient. Parallèlement à ça, alors je sais que c'est compliqué dans votre métier parce que vous avez beaucoup d'heures, ça vous prend beaucoup d'heures. Surtout que vous êtes... 17 heures par jour. Oui, non, mais c'est énorme, je sais. Alors en plus déjà, bon, c'est vrai qu'il faut une bonne...
comment dire, une bonne force, santé physique pour tenir le coup. Mais vous allez retrouver cette énergie parce que vous êtes, c'est psychiquement que vous êtes épuisé. Oui, voyez. Alors c'est vrai que le mieux quand même, hein, ce qu'on conseille pour dans les cas de dépression, c'est toujours d'associer un traitement d'antidépresseur avec un endroit pour parler avec, associer à une psychothérapie. Ce que vous faites, vous, c'est-à-dire vous essayez de faire à présent avec du yoga, avec, mais ça pourrait aller bien vous détendre, vous reposer si vous n'étiez pas dans cette forme aiguë. Mais pour le moment, peut-être que le temps que vous utilisez, qu'il vous reste, hein, il vous en reste pas beaucoup, mais pour aller faire du yoga, actuellement, il faudrait trouver, si vous voulez, à la fois voir votre médecin, un traitement d'antidépresseur, et avoir quand même un lieu pour pouvoir parler, parce qu'il y a quelque chose dans votre histoire où vous ne vous êtes pas senti reconnu. C'est important. Oui. C'est mettre toutes les chances de votre côté, parce que une dépression, on en sort, hein. Mais pour ça, il faut se faire aider. J'aurais dû le faire plus tôt. Bah, écoutez, c'est comme ça, Hervé. C'est pour le moment, c'est pas parce que vous allez prendre là maintenant que vous n'allez pas y arriver, hein. Oui. Justement, oui. Compte tenu de votre situation, compte tenu le médecin traitant sait que vous avez besoin de, vous avez une affaire que vous devez faire tourner. Donc, voilà, vous pouvez pas vous arrêter parce que sinon, si vous vous arrêtez. C'est compliqué, hein, pour une affaire, ça périclite vite. Bon, donc il va vous donner un traitement et puis il va vous conseiller à ce moment-là, demandez-lui quand même les coordonnées d'un psychiatre, oui. Mais psychiatre qui peut faire des thérapies aussi. Vous voyez, c'est-à-dire à la fois le psychiatre comme ça, dans un premier temps, lui verra si ça vous convient, parce qu'il y a plusieurs familles, il y a plusieurs molécules d'antidépresseurs, donc il faut trouver celle qui vous convient. Bon, voilà. Et vous pouvez déjà voir en premier temps votre médecin traitant, et après qui va vous donner les coordonnées du psychiatre, qui pourra voir un peu vérifier votre traitement où vous en êtes, et peut-être vous, enfin surtout vous proposer une psychothérapie. Oui. Il y a Doudou qui dit, je vous assure que ça un traitement, ça peut aider. Doudou dit, moi, ça m'a vraiment changé ma vie et permis de sortir de la dépression. Il y a Poupi qui dit, ah, moi, j'irais bien manger là-bas, ça me changerait des andouilles de Guéméné sur Scorf. Mais pourtant, c'est bon. Hein. Il y a Francine qui dit, il est passionné, c'est Hervé, et il m'a mis l'eau et le vin à la bouche. Puis-je avoir ses coordonnées, dit Francine. Bah, écoutez, c'est le Charlie, hein, à Luneville, c'est en face du château, donc vous pouvez pas le louper. Et puis il y a Sergio qui dit, ah, la lune est si merveilleuse qu'elle veille sur votre chaleureux Charlie. Touche chez Charlie pour faire sourire Hervé. Et puis il y a quelqu'un qui dit, Margaret, c'est pas à la portée de tout le monde de faire votre travail, d'apporter du bonheur aux gens et de le faire si bien. Et je vous souhaite aussi de trouver quelqu'un qui vous boostera. Voilà, mais déjà, bon, une chose après l'autre. Il y a cette affaire qui marche pas si mal, si j'entends. C'est parce que en ce moment vous êtes n'êtes pas bien, mais sinon elle marche plutôt pas mal, votre bon. Et c'est moi qui suis en train de la faire couler, quoi. Non, mais c'est vous voyez, c'est là pour le moment, c'est vrai que vous voyez tout comme ça, tout en noir, comme si vous n'étiez capable de rien. C'est parce que c'est la dépression qui fait que vous ne, malgré toute la meilleure volonté du monde, vous ne pouvez pas. Oui. On va pas demander à quelqu'un qui est paralysé d'aller courir en 100 mètres. Vous ne pouvez pas actuellement. Je suis d'accord avec vous. Hein. Voyez, donc c'est pas vous qui, c'est pas vous. Vous n'êtes pas responsable de ça. C'est pas comme si vous disiez, ah, oh ben ouais, j'ai une super affaire. En fait, vraiment, j'ai de l'or entre les mains. Je suis douée pour une chose. Et puis, au lieu de ça, hein, je vais à la pêche. Je commence ma journée à 11h le matin. Enfin, pour un cuisinier, ça serait un peu embêtant. Mais vous voyez, allez, à 4h, tiens, aujourd'hui, j'y vais pas, parce que là, on dirait, oui, qu'est-ce que vous faites, quoi. Enfin, c'est pas de la paresse. Non, c'est que vous, actuellement, vous ne pouvez pas. Oui, soyez pas plus dur que vous l'êtes déjà avec vous-même. Il y a quelqu'un qui dit, vous êtes quelqu'un de bien, Hervé, soignez-vous vite pour repartir du bon pied. C'est un mauvais passage, c'est pas inéluctable.
Et puis, il y a Ava qui dit, vous semblez si près du burn-out, il serait vraiment dangereux de rester sans aide thérapeutique. Votre potentiel sous-jacent et la richesse de votre sensibilité laissent augurer ensuite une vie très chaleureuse et un bel épanouissement. Ouh, ça c'est beau, ça. Mais, moi, c'est, oui, de manière, j'ai l'impression de plus... J'ai plus d'émotions et moi oui. Je peux pas vivre sans émotions. Mais non, surtout dans le métier que vous faites, puisque vous en procurez. Des choses que je faisais quand je suis fermé une fois par semaine le mardi, des choses que je faisais avant qui me donnaient beaucoup de. Enfin, c'était mon domaine privé à moi. Donc, j'arrive même plus à les faire de resto. Avant, je restaurais des vieux meubles, et là, j'ai aucune honte à dire, je faisais des gros objets. Et tous les, il y avait plein de choses que les gens jetaient, je me disais, mais ils se rendent pas compte de ce qu'ils peuvent jeter. Moi, je ramassais et je restaurais tout des meubles, des, et ben là, je suis même plus motivé pour faire ça. Oui, alors que mais... c'était mon, oui. Mon jardin secret à moi, c'était une façon de m'évader aussi, de me consacrer mon temps à moi. Hein, oui, mais là, vous ne pouvez plus. Je mettais de la musique classique et puis je me mettais dans mon atelier. Et puis voilà, là, c'était mon... Eh bien, j'arrive plus. C'est que vous n'y arrivez plus. Et c'est aujourd'hui, là, je le passe à dormir. Oui, mais parce que c'est, si vous voulez, c'est le déjà, c'est, vous êtes épuisé, mais épuisé, on peut, vous savez, bon, déjà, vous travaillez beaucoup, mais quand on est en dépression, on peut être épuisé même sans rien faire. On est épuisé, c'est pas on peut, on est épuisé sans rien faire. C'est-à-dire que, et je vous trouve déjà très courageux de pouvoir faire face dans cet état, à, comme vous le pouvez, à faire tourner votre affaire. Parce que en cas de dépression, dans les cas de la dépression, les moindres gestes de la vie quotidienne demande mais un effort considérable. Des personnes, vous disiez, avant vous aimiez bien aller chez l'esthéticienne, aujourd'hui ça, vous n'y trouvez plus d'intérêt, mais oui. Dans ces cas, si vous voulez, quand on est vraiment en grave dépression, même les gestes d'hygiène élémentaire, prendre une douche, parfois certains n'arrivent plus à le faire. Parce que ça les épuise, parce qu'ils n'ont plus, ils sont épuisés partout. Le simple fait de laver un bol peut être épuisant. C'est vraiment une, c'est caractéristique de la même façon que l'absence d'émotion. Oui. Ne plus, voyez ce qui avant vous touchait, vous. Là aujourd'hui, c'est comme si vous étiez anesthésié, engourdi. Vous avez trouvé le bon terme. Oui. C'est ça. C'est comme si vous regardiez tout derrière une vitre. Voilà, oui, vous étiez spectateur d'un truc qui se déroule et qui n'a plus d'intérêt. Et ce qui, avant, la dépression nous fait vibrer, ou même dans le... Alors, vous qui êtes cuisinier, c'est-à-dire les aliments pour lesquels, dont on raffole, les saveurs, les petits plats, là, on les trouve fades. Ça n'a plus de goût. Mais moi, quand je cuisine, je voyage. Avant, je voyageais. C'était un voyage pour moi. Oui, et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, je cuisine, mais je mets plus le même entrain. Je vous dis, quand je suis dans mes bons jours, alors là, c'est... C'est quand, les bons jours ? Mais je sais même pas, ça vient... je suis capable de... Ça vient, je sais pas, ça vient. Je vais vous me lever, en avez par encore, exemple, c'est bien. À 6h du matin, hop, je vais à 6h du matin, je vais prendre mon petit déjeuner, puis hop. Voilà. Je vais chez mon boucher, je vais chercher de la viande, je vais chez mon primeur, je vais chercher des fruits, des légumes. Oui, vous êtes léger, là, vous êtes plus léger, ça y est, vous avez de l'entrain, ça ne vous coûte pas. Voilà. Et après, je me mets en cuisine, et là, je suis capable de, voilà. Hervé, ça va revenir avec un traitement, ça? Le temps, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir un traitement à vie. Hein. Le temps que le traitement fasse effet, et le temps, c'est pas, c'est bon, le médecin vous l'expliquera. C'est pas parce que vous allez vous sentir mieux et que ça y est, vous allez retrouver de la vitalité, de l'entrain, qu'il faudra l'arrêter. Oui, hein, mais parce que c'est souvent le problème, c'est que dès qu'on se sent un peu mieux, hop, on arrête tout. Non, il faut vraiment soigner
dans le fond. Sinon, on soigne, on est à la surface des vagues, là, mais on soigne pas le fond. Donc, c'est pour ça que prenez rendez-vous avec ce médecin traitant dès demain, là, c'est la priorité. Oui. Qui vous prescrive, que vous le commenciez le plus, voilà, si vous pouviez le commencer là, ces jours-ci, le traitement, puisque je vous dis, il faut bien 15 jours à 3 semaines pour que ça fasse effet, hein, que vous ressentiez oui. les bienfaits. Donc, autant le commencer le plus vite possible. Quand vous allez aller mieux, vous allez voir aussi que ça sera, et je trouve que déjà vous vous exprimez bien, enfin vous faites des liens avec ce qui a pu vous faire souffrir, ça sera important de trouver, ne serait-ce qu'une petite heure par-ci par-là, pour aller parler de vous, oui. en appui. Y a Théo qui dit, soyez là pour votre clientèle quand vous irez mieux, et ils seront toujours là pour vous, sauvez-vous, vous, et vous sauverez le Charlie. Bonne chance, vous dit Théo. Quelqu'un qui dit, vous savez, quand vous irez mieux, vous pourrez aussi essayer de parler avec votre père, en n'attendant pas non plus ce que votre père n'est peut-être pas en mesure de vous donner, mais comme quelqu'un dit, Jessie dit, vous savez, quand vous irez mieux, vous pourrez peut-être préparer le plat préféré de votre père et l'inviter. Il se rendra compte et il sera certainement fier de vous. Il sait peut-être pas vous le dire d'ailleurs. Hein. Oui. Doudou qui dit, je vous assure Hervé, encore une fois, la dépression c'est une maladie, c'est chimique, un bon antidépresseur vous sortira de là, comme ça l'a fait pour moi. N'hésitez pas et n'attendez pas surtout. Et puis il y a quelqu'un qui dit, oh, mais moi je suis originaire de la région d'Hervé, je vois très bien où est son restaurant, j'ai même exposé au château. C'est Marie qui dit, donnez-lui mon numéro, moi j'aimerais bien lui remonter le moral. Elle a exposé au château. Oui, elle a exposé au château, Marie. Voilà. Ben oui. Mais en tout cas, ben, moi, merci, parce que je vous dis, je vous ai téléphoné deux fois. Oui, enfin, et au standard, puis, on ne s'était pas parlé encore. On ne s'était pas parlé, oui, et puis alors, votre collaborateur m'avait dit, bon, ben, si c'est possible, on vous prend à l'antenne. Et il m'a, bon, ben, deux fois, je me suis dit, bon, ben, même je vous écoute, j'écoute toutes vos émissions. Hein. Qu'est-ce que vous étiez dit ? Ben, je m'étais dit, bon, ben. Même eux, je ne les intéresse pas. Voilà, quoi. Ouais. Je me suis dit. Alors là, ce soir. Et on vous a rappelé ce soir, ben oui. Ben oui. Et là, quand il m'a rappelé, hein, j'étais surpris. Ben oui, mais parce que c'est aussi, ça montre à quel point, de toute façon, vous pensez que vous ne pouvez pas intéresser, que vous n'avez pas de valeur. Que j'en profite pour dire, Hervé, que à tous ceux qui appellent le standard, le 3921, et qui l'appel n'est pas retenu entre guillemets, c'est pas pris en compte, oui. puisque vous êtes toujours accueillis par Paul et Jeanne, mais pas retenu pour ce soir-là, qu'il faut pas hésiter, faut renouveler votre demande, parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas pris à l'antenne que vous n'intéressez pas. Vous voyez, c'est pas une question de ça. Mais c'est quand on va pas bien, on pense comme ça. On pense que bon. Bah... Par contre, ce soir, ce qui me fait du bien, c'est de. Bah, on se connaît. Je vous connais que par vos émissions. Hein. Mmh. Mais je peux. J'ai pu m'exprimer à une personne qui me connaît pas et sortir ce que je ressentais. Mmh. Parce que je j'aurais pas été, c'est une chose impossible à faire avec mes frères et sœurs ou avec des gens que je connais. Et là, ça me fait du bien parce que j'ai même pas envie de pleurer. Alors que ce soir, j'ai fermé. Et ben là, je serais resté tout seul et j'aurais pleuré. Quoi. Et là, ça m'a fait du bien parce que j'ai dit ce que. Voilà. Une partie. Mais c'est important, une partie. Mais ça veut dire que c'est pour ça à quel point il est important de trouver un lieu où vous pourrez parler. Comme ça, de vous, de pouvoir lâcher vraiment ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, même si vous avez besoin de pleurer, de pouvoir pleurer. Et on arrive souvent mieux à le faire avec quelqu'un que l'on ne connaît pas, qui ne nous connaît pas, parce qu'on se sent plus libre. Oui. En tout cas, on n'a pas peur du jugement. Peut-être moins. On n'a pas peur du jugement. On ne sera pas jugé. Voilà. Et qui sont là pour. Oui.
Je reçois beaucoup de messages. On va conclure avec ces messages. Il y a Jeanne qui dit « Je me reconnais tout à fait dans votre histoire. Peut-être n'avez-vous pas assez pensé à vous. » Il y a un SMS d'ailleurs qui dit comme ça « Vous êtes tellement occupé des autres que maintenant il est grand temps de prendre soin de vous. » Et elle dit « Votre question sous-jacente n'est pas « Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Mais qu'est-ce que j'ai fait pour moi ? Donner, c'est super, mais à un moment de la vie, on fait le bilan et le côté dépressif que vous aviez peut-être en vous reprend le dessus. Vous avez survécu en donnant, en aidant pour être aimé comme un enfant. Et maintenant, vous vous sentez inutile car vous n'avez pas compris qu'il faut un peu aussi être centré sur soi. Vous ne vous donnez pas le droit de vivre pour vous, d'autant plus que vous savez que... Attendez, j'ai pas la suite. Allez, préparez vos casseroles. Nous arrivons, dit Jeanne. qui dit, je regarde tout de suite le kilométrage entre Lunéville et le Val d'Oise. Et puis, il y a Dalila qui dit, mais je trouve Hervé très conscient de son état. Il s'exprime très bien. Ça va beaucoup l'aider. On sent chez lui une volonté de vouloir s'en sortir. Il est encore jeune et il peut se trouver un centre d'intérêt aussi haute que son métier. Sa voix transmet une grande sensibilité et il y a sûrement quelqu'un qui va lui tendre la main pour lui concocter un bon remède bienfaiteur. Il y a d'ailleurs Sergio qui dit, quand vous disiez j'ai 42 ans et j'ai l'impression d'avoir raté ma vie à 42 ans, vous rendez compte ? Vous en êtes à la moitié de votre vie. Donc, il vous reste encore plein de choses à faire. Et y compris sur le plan amoureux, vous pouvez, quand vous irez mieux, enfin, rencontrer quelqu'un. Enfin, il y a plein de choses qui, vous voyez, la vie, elle est vraiment devant vous. Il y a Sergio, d'ailleurs, qui dit 42 ans, t'as encore plein de temps pour être heureux. Courage, Hervé. Sergio qui vous fait une amicale poignée demain. Merci, Sergio. Voilà, donc ne raccrochez pas, on va vous transmettre les coordonnées des personnes qui veulent entrer en contact avec vous. Et puis tous ceux qui veulent aller déjeuner, quand vous irez un peu mieux, on va vous laisser un peu vous retaper. Mais bon, s'il y en a qui passent dans le coin, le Charlie à Lunéville, vous pouvez pas le rater, c'est en face du château. Et puis vous nous donnez de vos nouvelles ? Oui, en tout cas, merci beaucoup à vous parce que ça fait un bien fou. Bah écoutez, en tout cas, voyez que quand on s'exprime, une fois qu'on parle de soi, c'est pas pour autant que les personnes vont se fuir ou au contraire, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont été très touchés par la façon dont vous parliez de vous. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. C'est des bruits de casserole qu'on entend derrière. Vous êtes en cuisine ? Je vais me faire chauffer. Je vais me faire du gigot d'agneau. Alors écoutez. Manger un gigot d'agneau. Voilà. Donc ça vous redonne un petit peu d'appétit. Oui. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, Hervé. Et ne raccrochez pas. Paul va vous donner des coordonnées. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Alors hier, il y avait une jeune femme qui nous parlait de sa petite fille qui faisait des cauchemars, qui s'était mise à faire subitement des cauchemars à tel point qu'elle elle avait peur de s'endormir dans son cauchemar. Elle se voyait, il y avait un loup qui la poursuivait et puis aussi elle et ses parents étaient en prison. Donc elle se demandait un petit peu qu'est-ce qui avait pu se passer. Et là, mais juste à la fin de l'émission, il y a un SMS qui arrive et qui dit « Est-ce que ça n'aurait pas un lien avec l'histoire de la petite fille qui avait été amenée au commissariat, enfin par des policiers, parce que les parents n'avaient pas payé la cantine ?» Et je me suis dit « Mais oui, bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt ?» Parce que la petite fille, les parents en prison, enfin c'est vrai qu'il peut y avoir puisque cette maman nous disait qu'ils regardaient les infos avec leur enfant. D'autres enfants ont pu aussi en parler à l'école et c'est évidemment très traumatisant, très angoissant pour une enfant qui est amenée comme ça par des policiers. La police, c'est en général, si la police intervient, c'est parce qu'on a fait une bêtise justement. Et si on fait une bêtise, on peut aller en prison. Donc, ça serait peut-être important de l'évoquer avec elle. On avait d'ailleurs rappelé la maman et puis de la rassurer en disant qu'on ne met pas les enfants en prison et ni les papas et les mamans parce qu'ils n'ont oublié de payer la cantine. C'est pas une bêtise suffisamment grosse pour aller en prison et qu'en tout cas, jamais les enfants ne vont en prison.
en tout cas sous nos latitudes, parce que malheureusement, dans d'autres pays, si. Mais enfin, ça, on ne va pas lui dire, elle a que 6 ans. Et puis alors, merci à c'est Jeanne aussi, Jeanne Herr, qui nous a envoyé des coordonnées de livres pour enfants au sujet de ces cauchemars, qui dit, alors il y en a un qui s'appelle « Il y a un alligator sous mon lit et il y a un cauchemar dans mon placard ». Donc, bon, j'ai pas les éditions, c'est dommage, mais enfin, je pense que si vous allez dans une librairie un peu spécialisée, vous devriez pouvoir trouver. Et puis, merci aussi à l'auditrice qui avait dit que sa fille, à l'école, avait fabriqué un piège à cauchemar, qui était une forme de cerf-volant. Et c'est ça, en fait, dont je voulais parler, c'est-à-dire, outre le fait qu'elle puisse le dessiner, c'est une excellente idée, oui, fabriquer un piège à cauchemar, comme elle peut, pour essayer d'attraper les cauchemars, pour les attraper, en disant que ça fonctionne à coup sûr. Et à ce moment-là, le piège, on peut le mettre sous le lit. Comme ça, on explique à l'enfant que s'il y a un vilain cauchemar qui veut l'empêcher de dormir, hop, le piège fonctionnera et il attrapera son cauchemar. Avec les enfants, il faut être au niveau très, très pratique, basique, hein, surtout quand il est des petits enfants, évidemment. Ça marche moins avec un ado de 15 ans, hein, je vous le dis tout de suite. Allez, on va accueillir Nicolas. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Nicolas. Oui, bonsoir. Enchanté, Caroline. Et moi, de même. Alors, on s'était parlé, mais alors très, très, très brièvement la semaine dernière, parce que notre conversation a été interrompue, parce que vous deviez reprendre votre travail. Et il y avait des auditeurs qui disaient « Oh là là, quel dommage, dont Margaret ». Donc, on va vous réécouter. Pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce soir-là, vous aviez parlé 2-3 minutes. Hein. Voilà. Donc, en fait, moi, le sujet que je voulais évoquer, c'était par rapport au, comment dire, aux hommes qui se faisaient agresser par leur épouse. Et dont moi, j'en fais partie. Mmh. Et moi, je vous raconte un peu mon histoire. J'ai 35 ans et ça fait 8 ans que je suis marié. J'ai 2 enfants. Et en fait, depuis l'union entre mon épouse et moi, il y a toujours eu des conflits. En fait, pour dire au jour d'aujourd'hui, je suis son bouc émissaire en fait depuis des années. Je suis son bouc émissaire, son oui. souffre-douleur. Et si pour résumer, en gros, lorsque nous étions connus jeunes, bon, il est vrai que bon, de mon côté, ma mère n'était pas trop pour parce que bon, elle sentait que la fille que j'entretenais une relation, elle trouvait que en fait, elle me convenait pas. Et donc moi, je persistais parce que pour moi, j'étais sûr. Parce que moi, le jour où je l'ai vu, c'était comme un coup de foudre. J'ai même dit oui. que ce serait la mère de mes enfants. Pour moi, j'étais déjà oui, moi, c'est sûr. Complètement voilà. Séduit. Qu'est-ce qui vous avait autant plu chez elle au point de dire que ça allait être la mère de vos enfants? Qu'est-ce qui... Je sais pas. Moi, je sais que je me souviens. Bon, c'est vrai que bon, elle a bon, déjà bon. Lorsque je l'ai vue, on était en fait, je me garais. C'était dans un mariage. Oui. Je m'étais garé en fait ma voiture. Je m'étais garé juste à côté. De la sienne, en fait, elle était avec son père. Oui. Et en fait, les personnes avec qui j'étais dans la voiture, ils étaient tous là en train de dire « Ah là, regarde comment elle est canon, la fille à côté. » Donc moi, en tournant la tête, ouais. Je dis « Ah ouais, elle est magnifique. » Mais elle avait déjà un regard assez froid, assez hautain. Enfin, ouais, un peu hautain et tout. Donc, oui, elle n'avait pas un abord facile. Hein, donc elle était très belle, mais assez, en apparence, intouchable, quoi. Voilà. Mmh. Et donc, et moi, le jour où je l'ai vu, je m'étais dit, ouais, bon, ce soir, il faut impérativement que je prenne son numéro. C'est presque un défi, alors, puisqu'elle plaisait autant à vos amis. C'était, vous étiez 10, elle sera pour moi. C'était pas vraiment un défi, parce que, bon, effectivement, moi, je dis, ah oui, elle est très belle et tout, mais j'avais pas donné, en fait... comment dire, mes perspectives, j'avais pas dit, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, c'était juste, ah ouais, elle est jolie. Mais dans ma tête, moi, je savais que quand je la verrais à la cérémonie, j'irais lui parler. Et malheureusement, ce soir-là, elle était partie. Et donc, moi, j'ai jamais pu la voir. Et un an après, peut-être comme ça, c'est mon oncle, en fait, sortait avec une dame, parce que je crois que j'avais 20 ans, je crois, là, à peu près la vingtaine. Mmh. Et chaque fois qu'il revenait chez sa copine, il me disait tout le temps, oui,
Nicolas, il y a la voisine de ma copine, là, elle est super jolie, il ne faut pas que je sois la présente et tout ça, tout ça. Et donc, moi, à chaque fois, je disais oui, et donc, je laissais tomber. Et tellement que mon oncle insistait, ben, un jour, j'ai dit, ben, tiens, je vais venir avec toi. Parce que il a mis au moins peut-être 6 mois à insister régulièrement, à dire, viens, viens, j'ai parlé de toi à la fille. Comme je lui ai dit que tu étais mon neveu, que je lui ai dit que tu es super sympa, que tu es mon neveu que j'adore, nanana. Et puis donc du coup, bah, j'ai fait bon, bah, vas-y, je vais voir. Et donc, tout était préparé en fait pour que moi j'arrive et qu'en gros on nous présente. Et lorsque j'arrive chez la personne, comme par hasard, je vois la fille que j'avais vue lorsque je m'étais garé à côté du véhicule de son père. Alors pour moi, ça a été comme... Oui. J'étais, ah non, c'est pas possible. Comme si elle vous étiez destinée. Ah ouais, donc je me Et suis dit, oh, rétrospectivement, alors, vous dites finalement votre oncle, c'était pas un cadeau, là, de vous la présenter, puisque vous vivez depuis quand même un peu un enfer conjugal, non? Parce que là, vous me refaites les débuts, mais ouais, bah, ça depuis, s'est en fait, dégradé très, très vite après. ah, mais très, vraiment très, très vite, hein, parce que, en fait, lorsque je discutais avec elle pour la connaître, tout simplement. Et comme je vous ai dit, elle était vraiment très jolie, Oui. toujours habillée, les fringues dernier cri. Donc, je lui posais des questions sur sa vie, ses parents. Et lorsqu'elle me dit que non, sa mère est handicapée. Un an après sa naissance, elle a eu une erreur chirurgicale, je ne sais plus comment. Et donc, sa mère est tombée dans le coma pendant, je crois, plusieurs mois. Et à son réveil, elle se souvenait même plus qu'elle avait une fille. En fait, voilà, elle était devenue légume. Elle avait perdu la mémoire. Et donc, son père, enfin, ça, c'est mon avis. Je pense que son père a dû sombrer dans l'alcool. Et donc, et dès lors où son père a sombré dans l'alcool, bah, c'est là où elle a vécu un enfer avec son père. Et donc, lorsqu'elle me parlait de son père, c'était comment dire, lorsque je lui posais des questions sur son père, pour elle, c'était des insultes, c'est-à-dire ce connard. Moi, je comprenais pas. Je disais, mais pourquoi tu dis ce connard? Et je lui faisais comprendre que, Oui, mais elle éprouvait beaucoup de colère, beaucoup de haine pour voilà, lui. voilà, vraiment, voilà, Oui. vraiment de la Et quand colère et vous de la parlez haine. d'enfer, elle a pu vous dire ce qu'elle a vécu avec lui, ce qui s'est passé? Bah, longtemps après, quand même, parce qu'en fait, elle s'est mise à me raconter le jour où je lui ai fait comprendre que, mais. Oui. Tu respectes pas tes parents. Attends, je fais regarde la manière dont tu t'habilles. Je fais comment dire Oui, mais elle avait des raisons. Quand on n'en arrive jamais Mais à tenir justement, des comme moi, propos aussi violents à l'égard de ses parents, si... Enfin... c'est parce que en fait, je voulais comprendre. Donc, Oui, pour la bon. faire réagir, donc je lui ai Et dit, j'ai qu'est-ce fait, qu'elle mais vous a dit alors? et c'est là qu'elle m'expliquait, ouais, voilà, mon père, il est alcoolique, il veut D'accord. pas, pour un oui, pour un Il non. a frappé. Voilà, il a frappé et comment dire, peut-être un an après, bon, une fois qu'elle m'a raconté tout ça, donc c'est là que je me suis dit, ah ouais, d'accord. Et par rapport à l'histoire de sa mère, je me suis dit, bah, peut-être que lorsqu'il a appris, parce qu'elle m'a expliqué comment son père, ça a été un choc pour lui, il s'était même battu à l'hôpital, on a dû l'enfermer, l'arrêter parce qu'il avait vraiment pété un câble. Et donc, du coup, bah, c'est son père qui l'a éduqué. Mais la famille, du côté de sa mère, ont tout fait pour la récupérer lorsqu'elle était bébé. Donc, en fait, après, il y avait un gros conflit familial autour d'elle. Bon, alors vous allez, après le journal de minuit, on va continuer à se parler. Vous allez me D'accord. parler de ce qui se passe dans votre couple et de finalement qu'est-ce que vous attendez un peu de moi hein, ce soir. D'accord, D'accord? d'accord. Ok. Donc on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. D'accord. Il est minuit sur Europe 1. Sur Europe 1 avec vos appels au 39 21 pour me parler de vous et toutes vos réactions très nombreuses hein, ce soir suite au témoignage d'Hervé qui nous a appelé parce que il se sentait au bord du gouffre hein, je reprends son expression l'impression d'avoir tout raté dans sa vie
Pourtant, Hervé n'a que 42 ans, d'avoir raté sa vie professionnelle. Il tient un bar-restaurant qui marche bien. Enfin, sa vie sentimentale. Et donc, vous avez été nombreux à être touchés par lui, par sa façon de s'exprimer. Et il y a Géraldine qui est à Paris et qui dit « J'ai été touchée par son histoire, je l'ai trouvé émouvant. Moi aussi, j'ai 42 ans, je traverse une phase difficile de mon existence. Et j'irais bien à Lunéville parler une partie de la nuit avec Hervé, même si ça ne va pas être possible aujourd'hui. Je pense à lui. Et puis, y a Anne qui dit « Merci à Hervé d'avoir eu le courage de témoigner. J'ai connu exactement le même effondrement. Après une belle carrière et de beaux amours, j'ai soudain été épuisée. J'ai connu les mêmes symptômes. Aujourd'hui, je vais bien et je reprends sur de bonnes bases. Et je vous souhaite vraiment, mon cher Hervé, Diane, de reconstruire le pont. » Et puis Hugo dit « Moi, je vais souvent à Lunéville et je passerai volontiers déjeuner ou dîner chez Hervé. » Et puis, il y a Billy qui dit « J'ai eu tous les symptômes que vous avez cités. Il m'était impossible de penser à ce moment-là que je sortirais de cet état. J'ai pris des antidépresseurs et je ne remercierai jamais assez le médecin qui m'a comprise et accompagnée. » Sachez aussi, pour tous ceux qui... on transmet les coordonnées, on a appelé le 3921 pour qu'on transmette vos coordonnées à Hervé. On le fera, mais demain, maintenant, on va le laisser tranquille, hein, un peu digéré, là, d'être passé à l'antenne. Et puis, il est en train de manger son petit gigot quand même, hein, un petit gigot de midi qui s'était mis de côté. Donc, on va le laisser dîner tranquillement, l'ami Hervé. Et demain, Paul ou Jeanne vont le rappeler dès 22h30 pour transmettre tous les coordonnées. Anne-Sophie, à propos des cauchemars des enfants et des pièges à cauchemars qu'on peut glisser comme ça sous le lit, pièges que l'enfant fabrique et qu'on lui aide à fabriquer, elle dit « Il y a aussi les poupées tracas. Elles sont originaires normalement du Guatemala. On fabrique une poupée de laine avec l'enfant. Le soir, on peut lui glisser tous nos tracas, nos inquiétudes, nos peurs, nos petits et gros soucis. Elle les porte et elle s'en charge. On la glisse sous l'oreiller. L'enfant peut dormir tranquille, libéré. C'est bon de laisser sortir nos tracas plutôt que de les laisser peser très lourd en nous. Ça marche avec mes enfants, dit Anne-Sophie. » Puis peut-être pour les adultes aussi. Ça serait bien d'avoir une petite poupée traca là, qu'on glisserait sous l'oreiller, à qui on pourrait confier tous nos petits soucis. En tout cas, Jeanne me dit « Il y a un alligator sous mon lit et il y a un cauchemar dans mon placard. » Sont du même auteur, Mercer Meyer, édition Gallimard Jeunesse. Allez, on va retrouver maintenant Nicolas. Alors Nicolas, vous nous parlez de votre couple. Au départ, ça avait l'air d'avoir très très bien commencé. Sur un parking comme ça, vous croisez une fille que vos copains disent trouvent super canon. Vous la voyez, vous dites oui, qu'est-ce qu'elle est belle, au point de penser que vous aimeriez que ça soit la mère de vos enfants. Elle l'est aujourd'hui, vous avez deux enfants avec elle. Voilà. Le problème, c'est que cette femme est violente avec vous. Voilà, vraiment violente, que ce soit dans ses gestes et verbalement. Mm. Et j'ai beau essayer des fois de comprendre, même si j'ai pu comprendre pourquoi elle est comme ça. Mais comment dire, en fait, moi, vraiment le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ça fait des années qu'elle me dit elle veut divorcer, mais... Elle ne le fait pas, oui. Justement, des fois, j'ai l'impression qu'elle veut que je le fasse, qu'il le fasse à sa place. Oui, oui. Et quand je lui dis que moi, j'ai pas envie parce que que je l'aime tout simplement, que moi, j'ai le jour où je me suis marié, j'avais juré, c'était pour la mort, donc ce serait pour la mort. Et quand je lui dis des choses comme ça, pour elle, elle pense que c'est du mensonge tout simplement. Et donc, elle n'y croit pas du tout. Dites que quand vous êtes mariés, c'était pour la mort, oui, mais... Oui, je sais, tout le monde me le dit ça. C'est intéressant, on dit à la vie, à la mort, mais c'est intéressant la façon même dont vous le dites. C'est pour la mort, oui. Or, votre relation, là, il y a quelque chose de quand même plus que problématique, puisqu'il y a de la violence dans votre couple. Ouais, il y a vraiment... Et la violence, parfois, ça peut mener à la mort. Hein. Ouais, moi, je sais que pour ma part, je... On en parle moins, mais enfin, la violence, évidemment, c'est la violence conjugale, souvent, est plus le fait des hommes, mais il y a des hommes qui sont aussi victimes de violence. Hein. Bah, oui, mais j'en suis... Et parfois qui en meurent aussi, ça arrive.
Ouais. J'avoue, plusieurs fois, je me suis couché en ayant un peu la peur au ventre, en disant, bah, ça se trouve, je dors, c'est peut-être ma dernière nuit, ou parce que des fois, lorsqu'elle se met à m'attaquer, c'est-à-dire le soir avant d'aller se coucher, et sur le lit, c'est des prises de, enfin, des prises d'étouffement, ou elle va mettre l'oreiller sur le visage, m'étrangler. Et malheureusement, je peux pas du tout répondre, parce que le moindre geste que je fais, bah, elle se met à crier, au secours. Donc forcément, quand... Oui, elle retourne la situation. Voilà, c'est-à-dire la situation, quand vous voulez vous défendre, hein, ce qu'on peut comprendre quand vous parlez quand même de ces... Elle cherche à vous étouffer. C'est elle qui retourne la situation en faisant croire que c'est elle qui est victime de coups, quoi. Ben voilà, et c'est ça qui est vraiment difficile, parce que lorsque... depuis toutes ces années, j'essaye de parler avec elle pour essayer de la raisonner. Mm. Mais en fait, elle renverse tout le temps la situation. Voilà. Oui, mais c'est vraiment, pas possible. Elle est elle-même. Si vous voulez, à un moment, il faut que vous sortiez de ce huis clos infernal, parce que ça peut très mal finir. Ouais. C'est-à-dire, ce que vous décrivez là où, pour le moment, ça reste au niveau d'une simulation. Mais Julien, peut-être que, comme vous dites, vous vous couchez avec la peur au ventre, et à la limite, jusqu'où ça peut aller ? C'est-à-dire que vous pouvez là vous défendre parce que vous êtes réveillé, mais imaginez que ça se passe pendant votre sommeil. Ouais. Quelle surprise, parce que ce jour-là, particulièrement, elle a accumulé quelque chose, elle vous en veut. Surtout que, à qui en veut-elle vraiment ? À son père ? Vous allez tenir ce rôle-là pendant longtemps. C'est terrible. Il y a quelque chose de tragique dans cette histoire, et je comprends que vous ayez cherché à comprendre, mais comprendre jusqu'où, jusqu'à ce que vous, ça vous détruise, parce que elle a une histoire tragique, votre épouse. Elle a une histoire tragique. Hein, l'histoire que vous décrivez. De ce bébé qui vient au monde, et où malheureusement la mère, suite à l'accouchement, plonge dans le coma, et en sort extrêmement diminuée, n'ayant plus ses facultés mentales. Bon, donc vous dites qu'à ce moment-là, le père aurait sombré dans l'alcoolisme et aurait été donc violent avec sa fille. Enfin bon, après on ne sait pas comment les choses se sont mises en place, mais en tout cas, elle n'a pas pu être élevée par sa mère, puisque sa mère malheureusement ne pouvait plus s'occuper d'elle. Et le père, lui, sa souffrance a fait qu'il a basculé aussi dans quelque chose de terrible. Donc il y a une répétition de la souffrance, mais en ne réagissant pas. Vous la laissez livrer à ces pulsions aussi de haine qui ne sont pas dirigées contre vous, mais contre son père. Donc, si vous voulez réagir, c'est un moment aussi donner une chance à vous-même, à votre épouse, et peut-être à votre couple d'ailleurs, qui sait. Parce que vous ne pouvez pas en parler qu'avec elle. Il faut que vous mettiez un tiers entre vous et elle. C'est-à-dire, si... Visiblement, on voit bien que vous n'arrivez pas à vous séparer, alors qu'on aurait envie de vous dire prenez vos jambes à votre cou. Mais à ce moment-là, ce qu'il faut, si vous voulez faire quelque chose, c'est-à-dire que vous pouvez pas rester dans cette relation qui est complètement empoisonnée par la violence et qui peut encore une fois mal se terminer. Donc à un moment, c'est poser un acte, c'est dire c'est terminé. Je ne veux plus de cette violence, parce qu'elle-même doit aussi se sentir très mal. Je ne sais pas si elle l'exprime à certains moments, s'il y a des moments entre vous où ça va mieux, de répéter la violence du père, de répéter la violence qu'elle a subie elle-même, enfant. En fait, lorsque j'essaye, parce que pour elle, elle jette la faute en fait sur ma mère, tout simplement. Donc pour elle, c'est, si on en est là aujourd'hui, c'est à cause de ma mère. Non, mais c'est un faux problème. Elle est victime de... Qu'est-ce qu'elle lui reproche à votre mère ? Ben parce que du fait que pendant un certain laps de temps dans notre union, ben ma mère, voilà, elle n'appréciait pas trop sa personne, parce que comme elle était assez à l'écart, et donc nous dans notre famille, ben on est ouvert aux autres, on a énormément d'amis, donc moi-même quand je la voyais en fait dans cet état-là, je me disais, ben
je vais en lui montrant, en lui donnant plus d'amour, ça va lui montrer que, Ouais. bah lui faire, en Oui, gros, lui vous faire avez changer essayé. d'idée. Oui, vous avez Voilà. essayé. Vous avez envie de vous dire ça peut, elle pourrait évoluer, mais il y a quelque chose de son traumatisme d'enfance qu'elle est en train de répéter avec vous, où vous avez pris la position du père pour elle, donc l'ennemi à abattre, avec toute l'ambivalence qu'il y a, parce que ce Non, mais père qui l'a c'est maltraité, elle exactement ça. l'aimait aussi, hein. Oui, Malheureusement. Non, enfin, mais c'est... voyez, donc elle répète toute cette ambivalence avec vous. Dites-moi, avec vos enfants, comment est-elle? Alors, avec mes enfants, bon, pour elle, c'est du fait que mes enfants soient vraiment... ils sont vraiment très proches de moi. Ah oui. Et elle, limite, bah, c'est que je monte la tête des enfants contre elle. Et j'ai beau lui dire, j'ai beau lui expliquer, non, pour elle, c'est voilà, je fais tout pour léguer les enfants, en fait, monter les enfants contre Quel elle. âge ont-ils, Donc, vos enfants? alors mon premier a 7 ans. Excusez-moi, comme je suis malade un peu. Et ma seconde, elle a 2 ans et demi. Alors les deux, Oh là c'est là. papa, et donc forcément, il voit tout ça, et moi, ça me fait Oui, énormément mais de peine pourquoi parce c'est que. autant papa aussi? Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle, elle n'arrive pas vraiment à être. Elle est peut-être. Elle est en difficulté dans la relation aussi avec vos enfants. Bah oui, parce Parce que que je vois même mon un petit fils, de 2 ans et demi, petite fille, petit garçon. petite fille. Oui, en général, c'est quand même beaucoup maman. Enfin, même s'ils aiment beaucoup leur père aussi, mais dans les premiers temps de vie, c'est quand même beaucoup la maman. Mais peut-être qu'elle est en difficulté. Et voyez déjà de penser, elle vous en veut tellement, mais elle en veut à son père. C'est plus ancien que ça. Et de penser que vous montez la tête à vos enfants et donc c'est pour ça qu'ils sont pas proches d'elle. Enfin, je veux dire, ils sont encore petits, ils ont 7 ans et surtout 2 ans et demi, quoi. Ouais. Mais moi, en fait, c'est quand j'entends mon fils me dire, comment dire, une fois, bon, on s'était disputé, et comme je devais aller au travail, donc du coup, je fais comprendre que bah, de toute façon, moi, j'ai pas le temps de m'embrouiller avec toi, je m'en vais, et puis, donc du coup, je suis parti travailler. Et sur la route, y a mon fils, enfin, quelques heures après, mon fils m'appelle. Et il me dit, oui, papa, on est tout seul à la maison, et ma fille, en ce temps-là, avait 1 an et demi. Et je lui dis, mais non, tu peux pas être tout seul à la maison, maman elle est là. Non, maman elle est partie et ça fait longtemps qu'elle est partie. Alors, moi j'étais un peu surpris, je lui dis, mais comment maman peut vous laisser tout seul Et je lui dis, mais ta soeur elle a mangé. Non, elle n'a pas mangé, Non. elle a faim. Et Écoutez. en fait, quand je suis rentré à la maison, en fait mon fils, il m'a pris à part. Il m'a dit, tu dis pas à maman, en fait maman elle m'a fait mentir, je comprends pas pourquoi elle me dit de faire ça. Il me dit surtout ne dis pas. Il y a plein de choses qu'il me dit de ne pas dire à sa maman parce que. Oui, mais de toute façon, ce qui est terrible, c'est que, vous savez, vos enfants, ils doivent entendre, hein, certaines choses, hein, entre vous deux, hein. Ils doivent? Ils doivent entendre des scènes. Bien sûr, Bon. parce que. Oui, vous me le confirmez. Donc, parfois Oui, même ils oui. sont témoins. Oui, mais malheureusement, oui. Oui, mais Malheureusement. ça, oui, vous pouvez dire malheureusement, parce que c'est très grave. Parce Ça, que je si sais vous très voulez, il y très a des bien. choses comme ça. On sait bien que quand si vous voulez, les problèmes des parents, ils sont pris entre deux, quoi. Ils sont pris entre vous deux. Ils se sentent impuissants, comme l'a été votre femme, hein, petite fille. Hein. Elle était impuissante face à la violence de son père. Elle pouvait rien faire, et peut-être pour protéger sa mère, parce que peut-être que son père était violent aussi à l'égard de la mère, que sait-on jamais. Et aujourd'hui, elle est en train de répéter cette violence. Et quand des enfants assistent comme ça, sont témoins de scènes de violence entre leurs parents, si on ne met pas un terme à cette situation, c'est leur avenir qu'on hypothèque. Très Justement, comment mettre sérieusement, un très ah. sérieusement. Si vous voulez, nous en France, on n'a pas, voyez, bon, on commence. Enfin, je veux dire, on est encore très lent, hein, à prendre conscience de les problèmes des violences conjugales, quand même, de ce que ça implique. Mais contrairement à ce qui se passe au Canada, alors on prend en compte et c'est bien, on comprend la victime, le conjoint qui est victime de violence. Mais au Canada, quand il y a un couple, un homme ou une femme qui appelle en disant voilà, je suis victime de violence de la part de mon conjoint, la première question qui est posée, est-ce que vous avez des enfants? Et si oui, il y a un plan d'urgence qui est mis en place. Parce qu'on sait que les enfants dans ces situations-là, mais ils prennent, si vous voulez, la violence, elle est. Elle les prend au corps, elle les prend psychiquement.
Et on ne s'en débarrasse pas comme ça. Donc, si vous voulez, vous avez une responsabilité, Nicolas, non seulement par rapport à vous, c'est-à-dire de réagir, parce que vous, ça peut mal finir entre vous deux, et aussi pour protéger vos enfants. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose, quitte à ce que vous vous sépariez pendant un temps, quitte, il faut, vous mettiez des limites ou alors vous dites, ça suffit, il ne peut plus y avoir comme ça d'actes de violence, on va consulter. Ensemble, un thérapeute de couple, quitte à ce que c'est votre épouse qui a besoin d'être aidée, de parler de son histoire. Mais en tout cas, vous, si vous acceptez de rester dans cette relation-là, vous ne pouvez pas rester dans cette relation sans l'aide d'un tiers. Ah oui, parce que en fait, moi aujourd'hui, sincèrement, je me sens en gros désabusé. Je vais pas dire trahi, mais Oui, mais elle va mal. Fait... Elle va. Si vous voulez, et c'est pas une excuse, hein. C'est, je suis pas en train de la dédouaner, mais vous avez cherché à comprendre. Bon, vous avez compris. Il se trouve que néanmoins, pour autant, cette compréhension, elle a des limites, puisque c'est vous maintenant qui subissez et vos enfants. Et en plus, je dirais que elle-même, elle est victime d'elle-même. C'est-à-dire que le problème, c'est quand on laisse la personne en proie à ces pulsions comme ça violentes, c'est pas l'aider parce que c'est elle-même, elle est prisonnière de ça. Elle est agie par son histoire. Donc à un moment, poser un acte, dire maintenant. Il n'est plus possible, soit je m'en vais, c'est-à-dire quand elle vous dit ben, je divorce, dire soit c'est vous qui partez, et en disant, en mettant les enfants aussi à l'abri de cette violence, soit à un moment vous lui dites de toute façon, c'est soit on envisage une thérapie ensemble, mais on ne peut pas continuer comme ça. Si vous continuez comme ça à subir, c'est, vous ne réglez rien. Sa violence ne s'arrêtera pas. Elle est en train d'entamer très sérieusement le développement psychologique de vos enfants. Et vous, vous êtes en danger. Mais comment faire ? Parce qu'elle nie vraiment totalement... Mais, écoutez, Nicolas, comment faire ? C'est vous, maintenant, qui allez agir. Bien sûr qu'elle nie sa violence. Oui. Elle a grandi dans de la violence. Donc elle n'est même pas. Mais le problème, qu'est-ce que vous cherchez à lui faire avouer qu'elle est violente ? Ça sert à rien. Il faut sortir de ce huis clos. Ouais. Il faut que vous, soit vous lui dites maintenant, il y a de la violence, et soit maintenant je ne peux plus, je ne supporte plus ça, ni pour moi, ni pour nos enfants. Donc soit vous prenez, d'ailleurs même, il serait bon de, quand bien même vous voudriez faire une thérapie de couple, à un moment de marquer une rupture. Hein. Ouais. Que vous puissiez vous mettre à l'abri avec vos enfants. En marquant, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas continuer à vivre, parce que même s'il y a une thérapie, ça ne va pas se mettre en place du jour au lendemain, hein, les relations plus apaisées. Bien donc sûr, ça, mais ça suppose fait, de marquer une rupture. Bien sûr, je vous comprends totalement, parce qu'en fait, lorsque je vous avais appelé la semaine dernière, c'est parce que, bon là, c'est parce qu'elle m'avait menacé avec couteau, elle avait pointé même la lame, enfin pas la lame, la pointe du couteau sur le visage, en disant qu'elle va me piquer... Et vous voyez, tout ça, c'est devant les enfants. Donc, moi, forcément, Oui, mais c'est insupportable. Bien sûr, c'est insupportable. En fait, moi, j'avais appelé, c'était vraiment Mais pourquoi ? Pour qu'on puisse me guider, voire même juridiquement par rapport à tout ça. Parce mais que allez voir un demain. Avocat ? Mais juridiquement, mais juridiquement, si vous voulez, enfin, Nicolas, c'est bien sûr que vous pouvez partir, mais vous me dites parce que vous. Que, en fait, il va falloir qu'on avance et qu'on conclue là, hein, parce que ça fait un petit moment qu'on en parle. C'est soit vous n'arrivez pas à partir, mais vous, il faut parler, comme vous le faites là, mais à l'extérieur et aller voir un psy. Vraiment, allez voir un psychiatre, un psychothérapeute, et lui parler de votre histoire. Allez voir des associations aussi de personnes victimes de violences, mais vous pouvez pas rester dans cette situation-là. En tout cas, c'est très grave, à la fois pour vous et pour vos enfants. C'est comme le dit quelqu'un là, Isaac, ces scènes de violence qui maintenant sont presque banalisées, auxquelles assistent vos enfants, ça les déconstruit. Bon, donc à un moment, si vos enfants parlaient de toute façon à l'école ou autre, je vous assure qu'on en verrait, il y aura un signalement, parce que c'est très grave. Donc, vous,
Si vous voulez rester dans cette situation, enfin de bon, vous êtes adulte, vos enfants, ils l'ont pas choisi. Mais justement, est-ce qu'il y aurait des auditeurs qui pourraient me donner des associations ou des numéros de téléphone, parce que ça va être compliqué, les associations, parce que ce sont beaucoup des femmes. Oui. Et les femmes, si vous voulez, comme c'est des groupes de parole, elles vont souvent on inclut difficilement un homme dans des groupes de parole de femmes. En revanche, vous pouvez contacter, vous appeler votre mairie, vous demander les associations consacrées à la violence conjugale, et on va vous donner des coordonnées d'associations. D'accord. Hein. Donc vous pouvez aller les voir, et là vous trouverez un soutien psychologique et puis une écoute. Parce que voilà. Personnellement, parce que la dernière fois j'avais été dans un commissariat, j'ai posé des questions. Enfin, on m'a tellement mal reçu que, comment dire, lorsque vous arrivez déjà pour dire que voilà, ma femme me bat, et moi lorsqu'on me voit physiquement, bah, je suis vraiment quelqu'un oui, de mais très. Vous le savez donc, ce qui se passe. Ouais, donc du coup on prend d'accord. De très. Donc vous êtes en train vous aussi d'entrer dans le déni de votre épouse qui nie sa violence et dire on va pas me croire. Bon, c'est un petit peu le problème auquel se trouvent confrontées les femmes quand elles sont victimes de violences. Mais c'est vrai que pour un homme, ça paraît encore plus compliqué. Mais j'ai envie de dire pour les femmes qui sont victimes de viol. Vous savez, pousser la porte d'un commissariat, c'est aussi très difficile. Parce qu'elles disent, on ne va pas forcément me croire. Et pourtant, on entend leurs paroles. Donc, vous savez ce que vous vivez, vous savez ce que vos enfants vivent. Donc, fort de ça, on sait qu'il y a de la violence conjugale qui émane aussi des femmes. Donc, vous allez rencontrer des professionnels qui vont pouvoir vous aider. Mais il faut que vous bougiez, hein, là. Non, mais dès demain, je vais faire ça. Parce que. Alors, il y a Chaudron de la Barre qui dit « Votre témoignage est très poignant et la maltraitance dont les hommes sont victimes reste encore tabou dans notre société. C'est aussi pour ça que vous avez du mal à bouger. Néanmoins, vous ne devez pas rester au sein d'un couple mortifère. Les premiers regards échangés, d'ailleurs, vous en parlez, vous ont glacé. Et pourtant, vous avez cru que l'amour réchaufferait le cœur de cette jeune femme malmenée par la vie. Néanmoins, vous ne pouvez pas être un baume réparateur, ni même un exutoire, et encore moins le réceptacle de sa violence chronique. Trouver une issue de secours semble être primordial, autant pour vous que pour vos enfants. Plus le temps passe, plus ils sont spectateurs de cette violence, alors que vous avez un devoir de protection envers eux. Il n'y a aucune raison pour que vous continuiez à endosser autant de violence. Très bon courage à vous. Allez taper aux bonnes portes afin qu'on vous vienne en aide assez rapidement. Et puis, il y a Marius qui dit « J'ai eu la même histoire, deux enfants, une femme qui retourne tout à son avantage, de grosses altercations devant eux, une séparation difficile, mais maintenant je suis avec une femme avec qui ça va bien, mais ma vie a changé, mes enfants s'en ressentent. » Donc, alors il ajoute que si vous quittez le domicile conjugal, effectivement, il faut le signaler. Mais contactez déjà demain la mairie. Parlez-en à votre médecin aussi traitant, qui peut vous donner lui aussi des coordonnées d'association. Et ne croyez pas, n'ayez pas honte, parce que comme le dit Chaudron de la Barque, c'est tabou parce qu'on pense que c'est toujours, majoritairement, c'est des femmes. Pour autant, des hommes sont victimes aussi de violences et ça. C'est compliqué parce que ils pourraient répondre physiquement à la violence, mais ils ne le font pas parce que sinon ils seraient entraînés dans un engrenage. Donc la réponse, c'est de quitter, de partir. Quitte, si vous voulez entreprendre une thérapie, c'est possible. Mais il y a un acte à poser d'abord. Il y a la mouche du coche qui dit « J'ai moi-même vécu avec une femme qui m'a battue pendant 8 ans. Pourtant, je l'aimais, même dans ce climat de violence. Nous avons fait une thérapie de couple qui n'a servi à rien. Nous nous sommes séparés et maintenant, je revis. C'est une illusion de croire que la situation peut changer. Courage, Nicolas. Vous vous rendrez compte après la rupture de ce qui s'est vraiment passé. » En fait, lorsque j'entends tout ça, j'ai vraiment un sentiment d'échec. Mais c'est l'échec de votre idéal de couple. Mais alors, vous allez vous enferrer dans l'échec en vous disant j'ai échoué, alors je continue à donner le change. Vos enfants, ils se déconstruisent. Je comprends tout à fait. Et c'est vrai que en fait, c'est le cadre dont moi je voulais. C'est l'échec. Aux enfants. C'est l'échec de quoi, Hervé? Non, Nicolas, c'est l'échec de. C'est la vie de cette femme. Et vous ne pouvez pas réparer la vie de cette femme. En tout cas, le cadre que vous voulez donner à vos enfants, c'est une illusion. Vos enfants, ils ne grandissent pas dans un cadre qui est structurant pour eux, pas quand il y a de la violence. Donc, face à ce constat, vous ne pouvez que les protéger de la violence qui est au sein de votre couple.
en posant un acte, en disant ça s'arrête et en prenant un temps de séparation. Si vous voulez éventuellement donner une chance à votre épouse, ça veut dire, et à votre couple, que vous lui mettez le contrat en main. Soit on accepte de faire une thérapie conjugale, soit effectivement notre relation ne peut pas continuer sous cette forme-là. Après, vous verrez bien, elle peut aussi accepter, en tout cas, beaucoup mieux, c'est beaucoup plus constructif que de rester comme ça sans réagir. Parce qu'elle, elle s'enferme dans sa violence, vous, vous la subissez ainsi que vos enfants. Bon courage, Nicolas, vraiment, mais là, il faut agir, hein, il est grand temps d'agir. Au revoir. Justin Timberlake, Sweet and Tie. Bonsoir Cédric. Bonsoir. 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 Je vous écoute. Je vous appelle un petit peu pour voir. Je voudrais me poser quelques questions où j'en suis moi personnellement. Oui. Oui. Donc, sur quel plan? Oui. Oui, donc en fait, je suis une petite thérapie en ce moment. Une petite. Oui, j'aime bien le terme. Petite. Oui, pourquoi? C'est, vous voulez pas que ça dure trop longtemps? pour quel sujet je me sens bien, mais des fois j'ai l'impression que je me sens pas si bien que ça en fait. Voilà. Mm-hmm. Et donc dans l'histoire en fait, j'aurais voulu savoir si je pense aller un peu plus loin que ce que je pense. Ouh là là, c'est très très vague là ce que vous me dites, hein, Cédric. Je me sens bien, mais pas si bien que ça. Je voulais savoir si ce que je pense, c'est ce que je pense. Ouais, vous êtes un peu bon. C'est à travailler ça dans le cadre de votre thérapie, mais en amenant un petit peu des éléments quand même. Sinon, disons que j'ai été voir mon médecin en fait. Et en fait, donc je suis un petit peu sous. On va dire sous pression en fait. Donc par rapport à ma vie en fait. Bon, vous vous sentez sous pression dans le cadre de votre travail, dans le cadre de... qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, disons mon travail, voilà, ça va être vite fait parce que je n'ai pas de travail en ce moment. Pas de travail. Bon. Voilà. Depuis combien de temps? Depuis à peu près un an. Mm-hmm. Donc c'est un petit peu compliqué au niveau familial. On va dire. Alors, vous êtes marié? Non, pas encore. Vous vivez en couple? Je vis en couple. Mm-hmm. Voilà, avec un petit... Enfin, une petite fille qui a 3 ans et demi, maintenant. D'accord. Et votre femme accepte mal cette situation? Voilà, on va dire ça, oui, voilà. Non, je sais pas, hein, c'est pas à moi de dire, c'est vous qui pouvez m'en parler. Eh ben, voilà, donc en fait, oui, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Et donc, moi, je suis un petit peu perdu dans tout ça. Et je ne sais pas si vraiment je dois encore consulter et aller plus loin. Ou alors, est-ce que je dois discuter plus avec ma femme qui m'écoute plus ou moins, on va dire. Vous vous sentez comment au niveau de moralement? Moi, moralement, disons que je me pose un petit peu trop de questions, on va dire. Mais quel genre de questions vous posez-vous? C'est ça que j'aimerais comprendre, parce que vous avez du mal à en parler, hein? Oui, voilà. Ça. Dites-moi, quel genre de questions vous vous posez? Voilà. Donc, les questions que je me pose, en fait, c'est est-ce que je dois continuer à faire ce que j'ai envie de faire? Mais qu'est-ce que vous avez envie de faire? J'ai envie d'entreprendre quelque chose, faire peut-être un nouveau départ. Une vie différente. Oui, dans quel sens? Professionnellement, oui, sentimentalement? Professionnellement, oui, voilà. Vous avez envie de faire quoi? Eh ben, j'ai envie de faire peut-être un nouveau métier ou quelque chose comme ça. Oui, mais vous avez une idée ou pas du tout?
Pas du tout. Pas du tout, non. Voilà. Écoutez, moi je pense que la thérapie peut vous aider à un peu vous poser, mettre, même si au départ c'est très confus, mettre comme ça un peu des choses à plat, puisqu'en thérapie on est là pour parler de ce qui, de ces questions qui tournent, qui vous traversent la tête, de ces difficultés que vous ressentez dans votre couple, et où vous savez plus très bien où vous en êtes dans votre vie, quoi, en ce moment. Donc ça peut vous aider un peu à vous canaliser, à avoir, à retrouver un petit peu là où vous avez envie d'être et d'aller. Oui. Hein? Parce que c'est vrai que vous donnez le sentiment de plus du tout être arrimé, quoi, un peu au réel, de pas savoir, d'être un peu déconnecté, et c'est peut-être lié au fait que depuis un an vous n'avez pas d'activité professionnelle. Vous avez été licencié ? Oui, c'est ça, oui. Bon. Et vous vous trouvez donc dans une forme de vacuité, enfin même la journée. Je ne sais pas comment vous occupez vos journées. Disons que je l'ai un peu mal pris, quoi. Et au niveau professionnel, je l'ai mal pris. Bah oui. Et donc, au niveau familial, bah, ça ne va plus par rapport à ça, quoi. Et donc, c'est un oui, peu ça crée des disputes dans votre couple. Ça crée disputes et autres, on va dire. C'est-à-dire autre. Donc en fait, ça crée des disputes et niveau mauvaise entente, c'est avec mais autre, c'est-à-dire ça va plus loin c'est que, avec oui, enfin, que des disputes. Oui, oui, il y a même eu une séparation il n'y a pas longtemps, on va dire. D'accord, vous vous êtes séparés et vous êtes à nouveau, vous avez renoué. Oui, oui, oui. Bon, donc mais vous aviez... Mais je veux dire, ça reste encore assez compliqué, quoi. Oui, et vous pensez que c'est les difficultés que vous éprouvez, vous, personnellement, le fait de cette inactivité qui vous pèse et qui a des répercussions dans votre couple, ou c'était déjà oui, comme voilà, ça et oui. J'ai peur de ne pas m'en sortir par rapport à ça non plus, quoi. Bon, il faut prendre les choses étape par étape. Hein. Donc déjà, je trouve que vous avez eu un très bon réflexe de dire que ben, vous vous sentez pas très bien, au fond. Je oui. crois qu'il faut oser dire ça. Hein, c'est-à-dire que vous êtes assez perdu dans votre vie, et dans ces cas-là, bah, vous allez demander l'aide de quelqu'un. Et c'est déjà un pas, un grand pas pour aller mieux. D'ailleurs, hein? D'accord. Plutôt que de vous enferrer dans une situation où, bon, vous avez perdu votre boulot il y a un an parce qu'on vous a licencié, du coup, ça a des répercussions, bah, forcément, hein, sur votre morale, sur vous l'avez mal pris et ça se conçoit. Donc, du coup, bah, cette inactivité vous pèse. Et votre compagne, elle travaille ? Oui. Oui, donc il y a un déséquilibre dans votre couple, voyez-vous, on se sent très vite, malheureusement, quand on perd son emploi, et qu'on tourne en rond, on perd aussi un peu sa vie sociale, donc les journées paraissent très longues, on se sent inutile. Ben oui, voilà. Bon. Donc, si vous voulez, tout ça, ça a des répercussions, après c'est malheureusement l'effet boule de neige, hein. Donc, vous avez bien fait, je trouve, de réagir comme vous le faites en disant, eh bien, je vais demander de l'aide à quelqu'un pour petit à petit essayer de remettre un peu d'ordre dans votre vie. D'accord. Et pourquoi pas, effectivement, profiter, voyez, parfois de ce que l'on vit comme une épreuve et qui en est une, comme un échec aussi, peut se transformer en quelque chose de positif. C'est-à-dire quand vous dites... Et pourquoi pas l'occasion de, pour vous, vous êtes jeune, vous avez 35 ans, d'un nouveau métier. Ce qui veut dire, et Cathy a raison, elle dit en même temps que la thérapie, pourquoi ne pas songer à un bilan de compétences à Pôle emploi ? Vous voyez, demander, parce qu'à 35 ans, il est possible, pourquoi pas faire une formation, pourquoi pas... mais pour ça, vous avez besoin un peu d'être soutenu, même beaucoup, soutenu, de voir un peu vos aspirations, votre désir, et quand vous irez un petit peu mieux, vous pourrez dire bon ben voilà, je vais m'engager ce temps là, je peux pas rester désœuvré comme ça parce qu'il y a trop à aller mal aussi. Hein, vous êtes un jeune sûr, homme tout à fait, oui. Avec toutes des journées vides comme ça va pas. Donc ben dire ben voilà, je vais pas rester comme ça dans l'inactivité, je vais en profiter soit pour faire une formation pour par rapport à tel métier, reprendre des études ou carrément changer de voie sur un autre métier. Et vous allez vous sentir mieux aussi à ce moment-là. Il y a des choses qui vont s'enclencher. Je pense aussi, hein, oui. Voilà. Oui. Donc mais disons que c'est ouais, c'est vrai que ça c'est un pas que j'avais du mal à aller un petit peu plus loin aussi pour ça, quoi.
Ben oui, mais pas parce non que plus aller c'est... plus loin parce que je me dis que voilà, je suis arrivé peut-être pas au bout de tout ce que je peux faire, mais voilà, je n'osais pas aller plus loin par rapport à ça, on va dire. Ben voilà, ça va vous permettre déjà de vous Oui. poser, de voir ce que vous souhaitez là, et puis, comme vous le dites, d'aller plus loin. Mais je vous dis, vous avez eu une démarche constructive, intelligente, de dire, bon, voilà, je vais demander de l'aide, plutôt que de laisser tout aller à volo. Et parallèlement à ça, vous allez voir, il faut que vous rencontriez quelqu'un qui soit assez concret, hein, qui vous amène pas. Vous avez besoin d'une aide, là, ponctuelle par rapport à votre vie. C'est-à-dire, c'est pas forcément une psychanalyse où on va, voyez, refaire toute votre histoire. Non, non, faut bien dire au psy que vous voyez que vous avez besoin, là, d'être soutenu très concrètement dans votre vie. Hein? Oui, C'est important ça. ce que je pense aussi un peu en fait. Oui. Bon, alors Ouais. demandez-lui bien et bon courage à vous. C'est ce que Bah dit écoutez, Francisa. merci Vous êtes beaucoup. déjà, en ayant ça, d'avoir pris cette décision, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie pour rebondir. Hein? C'est un grand pas en avant que vous avez fait. Voilà. Oui, c'est Plutôt. ce que je pensais aussi, oui. Bon, mais je vous conforte Mais je là-dedans. voulais en parler un petit peu aussi, Vous quoi. avez Voilà. raison. Vous avez Voilà. raison. Plein de bonnes choses, Cédric. Au Bah écoutez, revoir. merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Cette année, la libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Bonsoir Anaëlle. Non, Nadine, pardon. Excusez-moi, je me suis emmêlée les pinceaux. Bonsoir Nadine. Bonsoir. Bonsoir. Je vous Oui. écoute. Oui, voilà, j'ai eu courage. Ça fait un moment que j'avais envie un peu de crier au secours, là, parce que moi, je suis dans le désespoir pour plein de choses, quoi. C'est mon histoire qui s'étale, comme j'ai dit à votre collègue, depuis plus de 3 ans, là. Ça a commencé par un cancer qui, normalement, devait être bien soigné. Il y a un aléa thérapeutique qui fait que j'ai perdu l'utilisation de mon épaule et de mon bras. Que donc je rame, j'ai pas pu retourner à l'emploi. J'ai mes deux enfants pas qui étaient, enfin ma fille qui était assez présente, hein, dans ces moments difficiles. Et Oui. lors de l'été 2011, c'était mon anniversaire au mois d'août, Oui. ma fille m'appelait tous les jours. On a toujours eu une grande proximité, quoi. Oui. Je devais la rejoindre pour fêter mon anniversaire au Mans. Moi, j'habite à côté de Versailles, je ne pouvais pas trop conduire. Donc je les vois pas très souvent, mes enfants. Mon fils était à Lille, il devait aussi nous rejoindre pour qu'enfin, au moins une fois tous les 6 mois, je les vois. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Le 18 juillet 2011, elle m'a envoyé un SMS qui disait ma petite maman, je t'aime, sans n'en doute jamais. Oui. Et le 22 juillet, moi, j'avais préparé mon billet de train, etc., pour aller là-bas. Et je n'ai pas eu de réponse sur les deux portables, sur le fixe. Le 22 juillet, 22, 23 juillet, je continue de rappeler, personne ne me répond. Bon, j'étais folle d'inquiétude, forcément, Ben puisque oui. j'avais une Oui, communication vous deviez vous régulière. retrouver, oui. Voilà, et puis Et même alors, qu'est-ce qui si... s'est passé? Vous avez des nouvelles? Non, j'ai tout essayé, même par des numéros cachés, des numéros d'amis. Mais vous n'avez pas Elle de ne me nouvelles de répondait votre pas. fille depuis le mois de Non, juillet? non, non, non. J'ai des amis qui m'ont conseillé, puisque même Oui. après un mail détaillé où je lui disais, écoute, même si tu as toi-même des problèmes personnels, un changement de programme, tu sais que je suis apte à tout entendre, tout comprendre. Pas de réponse. Et donc mes amis m'ont dit, la seule chose, c'est de voir avec la police. Moi, Oui, je pouvais pas faire effectivement, oui. les 250 km, je pouvais déjà pas conduire à Oui, cause de mon bien sûr. épaule. Bah, si vous deviez vous deviez vous retrouver et puis que au dernier moment Voilà. bien sûr, vous Voilà. avez Et bien puis elle fait, oui, de me disait signaler. même quelques temps avant, maman, plus que 2 semaines pour qu'on se voie enfin un peu. Bon. Enfin, je. Et qu'est-ce qu'il en est? Et Alors, je suis donc j'ai désolée, je appelé vous la bouscule un petit police. peu parce que je vois qu'il est déjà Je il nous reste 5 minutes, donc j'essaye de voir. comprends, mais j'ai Oui. vraiment besoin d'en parler Oui, puisque mais j'en peux je comprends, plus. mais que est-ce que vous avez J'ai eu appelé des la nouvelles? police,
la police est allée voir ma fille, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, écoutez, votre fille va très bien, à partir de là, notre travail s'arrête, c'est un problème entre vous et votre fille. Et d'autres tentatives après ont été faites par mes amis, même par moi, qui, malgré la douleur, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis complètement effondrée, hein, j'ai bugué alors que j'étais très fragile, hein, je venais d'une chimio, je venais de 33 séances de rayons, j'avais cette épaule qui me fait toujours mal aujourd'hui, j'étais réopérée, bref. Donc vous ne savez pas pourquoi votre fille a brutalement interrompu le contact avec vous. Non, complètement. Mm-hmm. Et j'ai vraiment bugué. Je passe mes nuits, mes jours à me demander pourquoi. Il faut lâcher un petit peu parce que vous n'avez pas forcément. Je vais devenir dingue, je crois. Il ne faut pas mettre en péril votre équilibre psychique parce que ça correspond à quelque chose de ce qu'elle peut vivre qui n'est pas forcément lié à vous. Le dernier message qu'elle vous disait, c'est ma petite maman, sache que je t'aime. Et voilà. Bon, donc elle vous faisait passer un message où elle vous fait part de son amour. Mais justement, est-ce qu'il n'y en avait pas trop ? Est-ce que vous n'étiez pas trop proche à un moment ? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui fait ou et d'autant plus de par l'épreuve que vous traversez où c'était elle qui était à vos côtés ? Vous étiez assez seule, j'ai le sentiment, vous entendant ? Oui. Ce qui est difficile aussi, c'est que je ne suis pas dans ma région d'origine. Je suis dans les Yvelines parce que j'y travaille depuis 10 ans. Oui. Donc je travaillais, j'avais beaucoup de contacts professionnels, je bougeais. Je suis vraiment seule dans un village. À titre d'exemple, il neige dans les Yvelines. Je n'ai vu personne depuis jeudi. Même le VSL qui ne peut pas m'emmener en rééducation. Je suis en train de manger mes fonds de placard. Enfin, c'est vraiment horrible. Vous êtes trop isolée. J'ai pas de soutien d'enfants, de mes enfants. Et votre fils ? Et mon fils, c'est mon fils. Mon fils, c'est quelqu'un qui est plus brut de décoffrage. Il m'appelle de temps en temps. Il démarre une carrière professionnelle dans le sport. Je veux pas trop le perturber non plus. Il est en contact avec sa sœur ? Elle a gardé... Non, ils sont, je l'avoue, comme chien et chat depuis fort longtemps. Quel âge a-t-elle, votre fille ? Eh bien, elle a eu 26 ans le 15 novembre. D'accord. Elle était en thérapie ? Elle faisait une thérapie ? Non. Elle faisait... Non, au contraire. Non. Alors, non. Enfin, au contraire, non. Il n'y a pas de... Ce qui se passe, c'est qu'elle elle s'est cherchée longtemps professionnellement et elle est rentrée... Elle a obtenu un concours pour rentrer à la protection judiciaire de la jeunesse il y a 2 ans et demi. Je l'ai su par mon fils qui a eu quelques petites nouvelles il y a quelques mois. Je pense qu'elle a abouti cette formation et qu'elle a un poste maintenant. Je sais que c'est un travail difficile, donc a priori elle va bien. Alors, si vous voulez, c'est vrai que c'est forcément ça vous torture d'essayer de comprendre pourquoi. Alors qu'il y a plein de choses qui vous échappent, hein, forcément, vous n'arrivez pas, pour le moment pas à donner du sens et peut-être qu'un jour votre ma vie n'a plus de sens. Oui, mais si, c'est-à-dire que oui, ça vous échappe, mais elle pourra. Ça ne veut pas dire que le lien, il peut être momentanément un peu distendu. Ça ne veut pas dire qu'il est brisé. Là, tout ce que vous pouvez faire pour le moment, c'est vous occuper vraiment de vous. C'est-à-dire, il faudrait justement mais on va pas avoir le temps de le développer malheureusement. Compte tenu de votre maladie, il faudrait au moins que vous preniez contact avec l'assistante sociale pour que vous ne restiez pas comme ça isolé autant et que vous voyez peut-être avec aussi la Ligue contre le cancer, des groupes de parole et là où vous êtes, d'avoir un soutien psychologique pour pouvoir parler de votre inquiétude par rapport à votre fille, mais aussi de vous, de votre maladie, de la façon dont vous traversez cette épreuve, parce qu'il faut vraiment, vraiment prendre soin de vous et dites-vous que votre fille peut revenir vers vous, mais peut-être qu'à un moment, plus vous lâcherez prise. Bon courage, vraiment, parce que c'est pas facile ce que vous vivez. Belle nuit à vous. Il
Il est maintenant 1h sur Europe 1, l'heure des infos présentées par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Peut-être un drame familial à Garon dans la banlieue de Nîmes. Les enquêteurs refusent toutefois de confirmer cette piste après la découverte hier soir des corps d'un couple et de trois enfants de 4, 11 et 16 ans dans leur pavillon. Les pompiers ont été alertés par un voisin pour un début d'incendie. Une conférence de presse se tiendra en fin de matinée. La famille d'une femme de 90 ans retrouvée morte de froid vendredi matin dans le parc d'un hôpital parisien porte plainte. Le personnel s'était aperçu de sa disparition la veille au soir, mais la vieille dame n'a pas été retrouvée sur le moment. La direction de l'établissement assure que le personnel était au complet. Les syndicats dénoncent quant à eux le manque de personnel. À Paris, les écoles tourneront au ralenti. Les enseignants du primaire seront en grève ce mardi contre la réforme des rythmes scolaires. Un mouvement qui s'annonce massif puisque près de 85% des enseignants ont prévu de le suivre. Seuls 10% des établissements ont prévu un service minimum d'accueil. Augmentation du RSA socle, meilleur accès aux soins en permettant à 750 000 personnes supplémentaires de bénéficier de la couverture universelle complémentaire, création de 8 000 places d'hébergement supplémentaires pour les SDF, autant de mesures qui font partie du plan gouvernemental contre la pauvreté, un plan qui s'élèvera à 2,5 milliards d'euros par an. Aux États-Unis, Barack Obama a prêté serment une nouvelle fois devant plusieurs centaines de milliers de personnes réunies devant le Capitole à Washington. Le président américain a prononcé un discours d'une vingtaine de minutes durant lequel il a mis l'accent sur les droits et les libertés. Barack Obama qui a également promis une réaction face au changement climatique. Le premier ministre algérien a annoncé la mort de 38 otages, 37 étrangers et un Algérien dans la prise d'otages sur le site gazier d'Inamenas. La plupart ont été exécutés par leur ravisseur d'une balle dans la tête. 5 étrangers restent portés disparus. L'unité affichée de François Hollande et Angela Merkel qui célèbrent à Berlin les 50 ans du traité de l'Elysée marquant la réconciliation entre les deux pays. Parmi les questions abordées entre les deux dirigeants, la crise malienne. La chancelière allemande n'a pas exclu d'aider davantage la France dans son opération militaire contre les islamistes maliens. France-Croatie, ce sera l'affiche des quarts de finale du mondial de handball, l'une des affiches. Le match est programmé demain. Hier soir, les Croates ont dominé le Bélarus 33-24. Il n'y a beau plus avoir d'alerte orange, neige et verglas, le danger reste présent sur certaines routes après l'épisode neigeux en Ile-de-France. Notamment, il doit encore neiger dans l'est de la Lorraine aux Alpes, gare aux pluies verglaçantes prévues en Normandie, dans le Poitou ou encore le Limousin. Du soleil dans le sud-est, un ciel variable pour Midi-Pyrénées. Le mercure affichera cet après-midi des températures comprises entre -5 et 10 degrés.